Salut, salut les amis, bienvenue sur votre platform. It's always a pleasure to know that uh, a lot of you are watching videos on this platform and that you're also sharing the videos. Continue to subscribe, please. Subscribe on the platform. It will send the message through. If you share, it will send it through. If you comment, it will activate notifications that will let a lot of people know that we're doing videos on the platform to liberate our continent, our country called Africa. La de yao ou la de yao. Ce bande de personnes dirigées par la France, que beaucoup de personnes appellent aujourd'hui la France D.A.O., la France D.A.O. Euh, s'est réunie hier à Abuja au Nigeria. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Euh, quand Tunebu a pris la parole, il a commencé par dire qu'il faut régler la crise nigérienne par des voies diplomatiques et politiques. Et après, ils ont parlé de la force qui est en attente et autres, du laisse -brouf. Des menteurs, des manipulateurs, des gens qui sont manipulés par l'Occident, les dirigeants dirigés. Avec toute cette menace là les amis, il y a eu une série de, de, de manifestations et des choses qui se sont passées entre-temps et qui se passent au Niger actuellement. Les jeunes qui manifestent, les, leur soutien aux nouvelles autorités, les nouvelles autorités qui reçoivent les soutiens de beaucoup de pays, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Tout jeune africain... Doivent se lever pour soutenir le Niger. Parce que ça fait partie de la libération totale de l'Afrique. Libération économique, politique, communicationnelle. Vraiment, cette libération monétaire que nous voulons de tous nos voeux. Parce que ce n'est que comme ça que nous pouvons être compétitifs avec le reste du monde. Sinon, ces gens vont continuer à nous manipuler, continuer à nous traiter comme des moutons, continuer à nous traiter comme des gamins, continuer à nous traiter comme des délinquants. Parce que c'est comme ça qu'ils sont. Ils ont traité nos, 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 nos grands-parents, nos aïeux comme des délinquants, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un esclave voulait se libérer, il était un délinquant, il était maltraité. Jusqu'ici à Douala, ils ont malmené, tué même, assassiné, hein, décapité les gens. Donc voilà des gens qui nous, qui nous donnent des leçons aujourd'hui. Et certaines personnes, certaines tarées africaines veulent entrer dans ces danses-là. Et vous voyez, certaines pseudo intellectuels aussi veulent entrer dans ces danses-là parce que ce qui les intéresse, c'est l'impétence. Mais seulement, je n'est pas tout. La vie, ça ne de tout pas autour de cela. Qu'est-ce que la postérité euh, va garder de vous, de votre passage sur terre C'est la chose la plus importante aussi, parce qu'on ne doit pas laisser nos, nos combats aujourd'hui euh, à nos enfants. If we don't have to procrastinate our 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 battles. We need to fight our battles ourselves. Allow our children fight their own battles. Comme la CDAO, la France CDAO, a décidé euh, de préparer une force. Et la France a dit que non. La, euh, je vais vous appuyer. Les Américains aussi ont dit la même chose. Pour des raisons évidentes, hein, les amis. Parce que Bazoum avait déjà commencé à vendre le Niger. Le pipeline devait passer. Euh, ces pays-là devrait manager le pétrole nigérien. Euh, L'or au Niger est géré par ces, ces Occidentaux-là. Euh, l'uranium est géré par ces Occidentaux-là. Qui volent l'uranium au Niger. Ces gens-là volent l'uranium. Ça, ça me fait très mal. Ça me fait même trembler. Ce sont des voleurs. Si multinationales, Ancien ils sont des voleurs. et pillent les ressources de ce pays-là et de beaucoup d'autres pays africains. Et, les amis, les vassaux, les agents commerciaux qu'ils ont installés à la tête de nos micro-États font quoi Soutiennent ce mouvement. Il y a un autre qui est au Niger aujourd'hui, qui s'appelle Tinebo. Il fait partie de ces gens-là qui, qui font honte pour l'Afrique. Memo Ghana, we have a Ghanaian president that is a total disgrace today. It's a sham to Africa. Togo is not, Benin, Togo, Guinea Bissau, those people are a total embarrassment. I wouldn't want to talk about Maki Sall, who is not clean. I wouldn't want to talk about Alassane Dram, It's a dramatic somebody, Watara, who is in, 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 in power in Cote d'Ivoire. It's, it's a rebel leader who committed a lot of atrocities in this country. He still continues to uh, commit atrocities in this country. Et financer un groupe d'extrémistes pour soutenir. Mais le temps est juste près. Il n'est pas loin, le temps. Vous savez, les amis, le mouvement est irréversible. Ce que les Africains, la jeunesse africaine, sont en train de faire aujourd'hui, c'est quelque chose d'incroyable. Ils ne s'attendaient pas à cela. Ils accusent tout le monde, les manipulateurs, tout comme si la jeunesse africaine n'a pas sa tête. Comme si la jeunesse africaine ne peut pas réfléchir d'elle-même. Mais c'est du n'importe quoi. C'est insultant la jeunesse africaine. Les amis, les nouvelles autorités au Niger ont dit clairement, si leur pays est attaqué, parce que ces gens-là veulent revenir, installer un monsieur qu'on a chassé au pouvoir, qui est très impopulaire dans son pays, voilà l'escroquerie de la démocratie nigérienne. Bazoum, s'ils essayent de venir dans ce pays pour faire comme s'ils veulent réinstaller Bazoum, ils vont éliminer Don Bazoum. Voilà une menace claire, nette, sans discussion. Si vous essayez, on va l'éliminer. Et l'autre jour, les amis, dans une de nos vidéos sur notre plateforme, on a dit ici que s'ils si veulent laisser Bazoum ou libérer Bazoum, ils doivent aller au Burkina Faso, au Mali ou en Russie. C'est là où il sera très bien gardé. Les Macronis, les Macronais, les délinquants qu'on appelle Macron, c qui dirigent la, la jeune française aujourd'hui, est en train d'insulter les leaders africains. Il insulte euh, les nouvelles autorités nigériennes, il insulte les nouvelles autorités burkinabées, il insulte les nouvelles autorités. Malienne. Mais on va pas se laisser faire. Restons concentrés, chers amis, chers peuples africains. Voilà donc une menace qui est claire, prononcée. L'élimination de Bazoum si le Niger est attaqué. À bon entendeur, salut.